C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. Abou, regarde là! Oh, il était temps. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Et si... s'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fier de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Oh là là, t'imagines? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bête. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche et nous poserons bientôt sur le Chimère. Allez, Abou, on y va. J'arrive, j'arrive. Calme-toi un peu. C'est parti pour le concours d'écriture. Oh. Bienvenue au jour des Avengers. Bienvenue au jour des Avengers.
Bonjour, finaliste. Tu peux me donner ton nom ? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Les Khan, super ! N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics ? Mais c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. Apparemment, il faut scanner les codes-barres pour recevoir le pass VIP. À chaque stand, un comics. Je sais pas par où commencer. La salle d'arcade, le... Ici, ici. On peut toucher les cibles rouges, mais pas les vertes. J'ai besoin de 150 points pour gagner. Pas de problème. Ça va ? Non, j'ai déjà ce comics. Il faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger ? Ouais, bien sûr ! Super, à plus tard. Oh, j'y crois pas ! Des gants répulseurs ! Il faut que j'en essaye un. Quelle est donc cette atrocité ? Ah, toutes mes excuses. Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Même si je comprends ta réaction. Quel est ton nom ? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens ? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3, le premier camp de Tony Stark. Par la barbe d'Odin, tu es presque aussi intimidante que lui, hein ? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde, voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Quiconque possédera ce marteau, si il, ou elle, s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et la puissance d'un dieu. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part, non ? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Vous aussi. Kamala Khan.
Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Génial. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. J'adore. N'oubliez pas, les Avengers lancent une festivité à 11h30 sur la grande scène. Il va falloir que je me lance si je veux récupérer un autre comics. Cool, encore des comics. Ne laisse pas Scar. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Le Terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Te voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Hé, hey, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, oh. Je suis perdue. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord? Et un comics de plus! Essayez. Tente ta chance, vas-y. J'étais presque. Presque, Dean. C'est déjà pas mal. Voilà ton comics. Merci. J'y suis presque. Balcon VIP, me voilà. Essayez de me soulever. Oh non, il n'y en a plus. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. C'est trop cool. Pousse-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vrais fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan? J'ai le droit d'être là, moi aussi. Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire? Vas-y, dégage. La foule, et la presse, et le monde entier vous demandent de partir. Restez plantés là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité. Et dites non. Vous partez. Hein? Et qui a dit ça? Un vrai fan le saurait. Ouais, si tu le dis. On se tire d'ici. Génial. Il n'y a même plus de comics. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Merci. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle n'est pas là, mais elle aurait aimé te rencontrer. Pardon, vous êtes Captain America? Je suis Kamala. Kamala Khan. Khan. C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé, Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor? Il devrait être là maintenant. Moi, je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark.
Mais il doit plus être là maintenant, je l'ai vu s'en aller. C'est qui ça? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézard des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Ouais, peut-être à bientôt, Kamala. À la prochaine, peut-être. À la prochaine. C'était Captain America et Black Widow. C'est incroyable. Oh, je l'ai déjà, celui-là. Attends, je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon. Vous êtes célibataire? Vroom! C'est trop génial. J'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est bon, je les ai tous. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Nous vous rappelons que si vous récupérez les 5 comics exclusifs à cet événement, vous pourrez accéder à notre balcon VIP pour profiter au maximum du clou du spectacle. Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce terrigène? Nous ne savons rien de cette... N'ayez crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du SHIELD. Merci. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. Beta, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut plus qu'un... Sésame, ouvre-toi! Je détiens tous les comics! Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Terrigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. Merci, Capitaine Rogers. Le Chimère est alimenté par un nouveau minéral, le Terrigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Bonjour, San Francisco! Une ville formidable! Même si, pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. Joli ça. J'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens.
Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Attendez ? Oui, évidemment. Je vais pour me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. Je t'ai pas attendu. Thor, essaie de dégager un passage sur le pont. Ok. Au moins deux engins armés ici. On a besoin de renforts. Vous n'en êtes pas dit. Tony, Thor, vous en êtes où? Les mortels sont pris au piège. Il y a plein de petits hommes armés et agressifs. J'y viens de prendre un bus. J'aurais dû prendre un petit déjeuner plus consistant ce matin. Thor, merci pour votre aide. Des civils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Restez derrière moi. Je vais m'occuper. Pas de problème, Thor. On va bien s'amuser. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Cap. Ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans le Chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. C'est Thor ! À terre, les secours arrivent. Des boucliers. J'adore. De Fury que je lis jamais? Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord, peu importe. Des roquettes pulsars! Ravitoire que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais. C'est moi qui les ai fabriquées. Protéger le cristal d'érigène. S'il est touché... Je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Restez à couvert. Bon, qui est
voyez le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Avenger, le convoi transporte les prototypes secrets du Shield. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Hill, comment va ça? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et tout va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps. J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oui. Pas vrai ? J'arrive.
seulement rencontrer mes fans et manger du gâteau aujourd'hui. Concentre-toi, Tony. Ces inventions sont dangereuses, Stark. Hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Moléculaire du kérigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable. Doc, je vous rappelle. Le vaisseau va pas tenir longtemps. Je fais de mon mieux, chef. Avengers, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Avengers, bon rapport! Le berger? Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Des bombes soniques? C'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannies il y a des années. Allons voir ça. Voilà
une entrée. Taskmaster. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre.
Ça doit être frustrant de toujours avoir un train de retard. Tu veux le chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Le ventre plus grand? Je suis à la recherche de quelque chose de bien plus précis. Et qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas gâcher la surprise. Des réponses? T'abandonnes? Jamais! Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Que t'es pas le cerveau de l'opération et n'essaie pas de me distraire! Assez parlé! Non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la vie s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Lita. C'est pas vrai. Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du Dr Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoirs, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, Dr Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM. Et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux.
Les... Vous êtes passé. Doit bien y avoir un indice quelque part. Hé, hey, salut. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça, ça m'intéresse. Waouh, Stark Rétro. Hé, hey, tu as du temps pour parler, Beta ? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein? Oh! Et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe. Premier amour. Oh. Quoi? Allez, Kamala, tu peux le faire. Ah ouais. Zut. Allez, quoi? Oh non. C'est pas possible. Ça marche! Oh, ça y est! Je suis dans le système! Oui. Oui, je dois tout copier. Grâce à votre énorme ego, Monsieur Stark. C'est quoi ça? Stop! Non! Non, non, non! Oh! C'est bloqué! Je ferais mieux d'apporter ça au QG. J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Les volants sont partout.
je trouve un truc pour la renforcer. Et voilà le travail. S'embêter avec des systèmes de sécurité dernier cri alors que je suis la seule à pouvoir réussir ce saut. De retour au QG. C'est le bazar, mais c'est mon bazar. Ouais, il est bien usé. Je me demande si certains modèles sont adaptés aux frappes super géantes. Amir serait scandalisé par tout ça. Mais d'un autre côté, mon frère se scandalise d'à peu près tout. Mon ordi. Allez, voyons ce qu'on a. Le chimère? Ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Le docteur Tarleton. Mais vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh non! Tarleton l'a enfermé? Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon Dieu, il a tué Cap! Quoi? La ballerine? Oh non! Le parc des héros. Je sais pas. Ça pourrait être un piège. Mais si c'était pas le cas. Je dois montrer ça à quelqu'un. Réfléchis bien, Kamala. Fournis la preuve et ce sera fini. Bonjour, je suis le docteur George Tarleton, PDG et fondateur de l'Advanced ID Mechanics. L'IA est fier d'annoncer une version de l'unité humain à Jarvis City cet automne. J'imagine.
C'était quoi ça? Quelqu'un ouais, frappe à la porte. Je vais ouvrir. Des centaines de survivants ont développé des pouvoirs surnaturels dans le jeu. La maladie. Même la chimie est en valeur, la plénie et la dévision. Oui? Un inhumain a été repéré dans la zone. Selon le protocole inhumain section 3, paragraphe 8.2, veuillez rester immobile pendant toute la durée du scan. Il y en a un ici. Ça va aller, ma chérie. Reste bien. Scan terminé. Aucun ADN inhumain détecté. Merci d'avoir coopéré. Si vous souhaitez évacuer la prestation... C'est la première fois que je vais au parc par ce chemin. Tout droit, j'imagine? Si Tarleton mentait à propos du pont de commandement, qui sait ce qu'il a pu inventer d'autre? Bonjour, je suis le docteur George Tarleton, PDG et fondateur de l'Advanced ID Mechanics. L'AIM est fier d'annoncer l'ouverture d'une clinique pour inhumains à Jersey City cet automne. Très gracieux, mais j'ai réussi. Bon, je dois trouver la statue de Cap. Salut, le parc des héros. Ça faisait longtemps. Mes parents m'emmenaient souvent ici quand j'étais petite. Tous des inhumains. Et tous portaient disparus. C'est de ça qu'Abou avait peur. C'est une bonne cachette pour surveiller la statue de Cap devant. L'AIM détruit cet endroit pour bâtir leur nouvelle clinique. Quel gâchis. Besoin d'un coup de main, mon grand ? Cap. Ça fait trop longtemps. Hey ! Tu vas où ? Chez moi. Déjà ? On vient d'arriver ? Hey, t'as soif ? Non, non, merci. Quoi ? T'es en train de prier ou quoi ? Je prends juste un raccourci, c'est tout, les gars. Un raccourci. Allez, va-t'en d'ici. Hey ? Joli briquet. Donc tu veux qu'ils reviennent? Pour qu'ils puissent tous nous tuer? Quoi? Non. Non? Non? Non. Alors quoi? T'es un fan des inhumains? Du calme, les gars. Tu soutiens des sales traîtres! Arrêtez! Est-ce que ça va? On dirait que t'as une petite copine. Zach, mate-moi son sac. Quoi? Pas honte d'aimer des assassins. Je veux juste rentrer chez moi, ok? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mon petit frère était présent au Hayday.
avec son histoire débile sur Captain America. C'était pas la faute de Tout Cap... est de leur faute. Il est devenu violet et bizarre. Et puis ils l'ont enlevé. Hé, hey, vas-y, Molo. Zach, calme-toi, mais... maintenant, mec. Il est mort. Arrête. Il est mort. Zach, il est mort. Reculez. C'est l'une d'entre eux. Faut pas qu'elle nous touche. Allez, on se barre. Hé, hey. Est-ce que ça va? Allez, on y va. Ne me touche pas. Quoi? T'es la ballerine ou pas? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Mais de quoi tu parles? Laisse-moi partir. Hé! Hey! Faut que j'y aille. S'il m'attrape, ma photo va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur. Tout va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur. Je vais pas aller à la rencontre. Aucun signe de la fugitive inhumaine. C'est pas vrai. Ils sont partout. J'habite. Empreinte découverte près de la statue de Hulk. Examinez la zone. Bien reçu. C'est ça. On a besoin de toi ailleurs. Allez, Oust! Je peux m'échapper par ici. Empreinte découverte près de la statue de Hulk. Examinez la zone. Bien reçu. Je peux m'échapper par ici. Il y a trop de gardes devant. Et si j'allais au parc rencontrer la ballerine? Mais quelle idiote! Chut.
réfléchis. On va trouver. Les égouts. J'espère qu'ils savent pas nager. Je pensais pas avoir à pousser des poubelles aujourd'hui. La hyène a aussi lancé des humains à ma poursuite, qui peuvent se téléporter. C'est bon. Ce n'est pas notre taupe. Elle nous pose quand même problème. Ah, bien. Tu es réveillé. Je suis désolé. Ces synthoïdes n'ont fait qu'appliquer leur protocole de sécurité. Le vol d'informations privées est un grave délit. Monica, laisse-la respirer. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous m'emmenez? En lieu sûr. Excuse-moi. Je sais que je ne suis pas aussi bien que mon homologue holographique. Mais il faut bien plaire aux actionnaires. Docteur Dalton? En personne. Pourquoi pirater nos serveurs? Je ne vous ai rien volé. Alors, qu'est-ce que tu cherchais? Le remède, peut-être. Kamala. La IEM veut seulement essayer de nous libérer de l'emprise des plus puissants. En toute subjectivité. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Le Heyday en est un bon exemple. Toi, tu as la chance d'être en vie. Mais grâce à la technologie, nous pouvons les combattre. Nous pouvons te rendre ta vie normale, Kamala. –
Bon, j'ai deviné le mot de passe, ok? Je pensais pas du tout réussir. Elle est clairement violente. Son infection a dû se propager. Hein? Je voulais faire de mal à personne. Je sais bien. Mais qu'arrivera-t-il si tu perds encore le contrôle? Qu'arrivera-t-il si tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes? Même les Avengers ont souffert de leur orgueil. Et vous y étiez? Je veux dire, quand Cap est mort. Vous y étiez? Oui. Heureusement, Monica m'a trouvé sur le pont. Sa formule de régénération m'a sauvé la vie. Allez, Kamala, saute le pas, hein? L'AIM peut t'aider. Je vais tenter ma chance. Sans George, rattrapez-la, vite! Bravo, Kamala. Tu viens de révéler que t'étais une inhumaine. Idiote! T'imaginais quoi, hein? Devenir une résistante? Une nouvelle héroïne? Je peux plus rentrer. Ami, Abou, ils seront punis pour m'avoir caché. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Luta. L'ancienne base du Shield. La Résistance doit savoir quoi faire. Vous avez été identifié comme une inhumaine illégale. Rendez-vous maintenant. Non, merci. Et vous ne serez pas blessé. Luta. L'ancienne base du Shield. La Résistance. Vous avez été identifié comme une inhumaine illégale. Rendez-vous maintenant. Non, merci. Et vous ne serez pas blessé. Je n'ai pas engagé. Il faut que je quitte la ville. Je viens de vous aider.
rester pour le savoir. Vous voulez voir des pouvoirs? Vous allez être servi. Identification positive. L'assaillante est une inhumaine. Qu'est-ce qui m'a trahi? Sujet 1102. Il peut se cloner presque parfaitement, à l'exception d'une variation dans la couleur des yeux. Les cellules se divisent au centre afin de créer deux individus distincts. Oh, exactement comme le ver planaire, sauf qu'il est humain. Tout à fait. Et il peut retenir tous les souvenirs du sujet original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et... Et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Et nous pouvons en programmer toute la puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Tu as été dans le coma pendant 6 mois. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération. Et le traitement sera terminé. Ils allument encore des bougies au pied de cette statue. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais détruite. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il y a un adaptoïde à lancer. Mais tu as raison. Cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée.
Presque. Bonjour, c'est Youssouf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hé, hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite. C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine et pouvoir t'appeler. Enfin bref, t'avais bien raison, on s'éclate. Je reviens dimanche soir. Promis, je serai sage. Je t'aime encore plus. Toutes les théories du complot que j'ai pu trouver en ligne indiquent que ce canyon serait la base de la résistance. C'est la seule chance qui me reste.